Quel malheur! C'est un grand malheur! Écoutez les courtisans se lamenter. Ce n'est pas la peine, messieurs, d'en rajouter. Ah, quel malheur! Oui, mais quel bonheur! Comment quel bonheur! Pensez donc plutôt à ce petit bébé qui, dans son berceau, commence à gazouiller. Combien vous aimiez la reine? Elle n'est plus, mais songez plutôt à votre fils. Le prince Henri que les fées le bénissent. La reine, de sa vie la reine a fait le sacrifice. À peine a-t-elle pu voir son fils. La reine, de sa vie la reine a fait le sacrifice. À peine a-t-elle pu voir le petit Henri. Pauvre Henri, privé de maman et sa naissance, il aurait bien besoin d'un coup de pouce de la Providence. Il faudrait que vienne se pencher sur son berceau quelque bonne fée pleine de cadeaux pour notre prince Henri. Oui, quelque bonne fée qui vienne se pour protéger le petit Henri, que quelques bonnes fées viennent se pencher sur lui. Hop là! 1, 2, 3, regardez les trois fées qui arrivent. 1, 2, 3, les bonnes fées commandées. 1, 2, 3, que du mauvais serait nous délivre. 1, 2, 3, suffit de demander. Hop là! Nous sortons aussitôt qu'on nous appelle nos baguettes magiques de leur étui. Nous courons pour secourir les mortels dont le cœur est pur et le reste aussi. Il n'y en a pas des masses, et plus le temps passe, moins il y a de vierges, et moins il y a de puceaux. Et quand on nous sonne, nous les fées les bonnes, pour aider les hommes, il nous faut les prendre au berceau. Hop là! 1, 2, 3, nous avons 3 bienfaits pour le prince. 1, 2, 3, 3 bienfaits rien que 3, oui 3 bienfaits rien que 3. Mais rien de rien pour le prince. 1, 2, 3, 3 bienfaits rien que 3. Le premier, qu'il ait la tête bien faite, que le prince Henri soit très joli. Le second, qu'il ait la tête bien pleine, que le prince Henri ait de l'esprit. Et pour le troisième, oui pour le troisième, afin que le prince Henri n'ait vraiment aucun défaut, faisons un troisième, faisons qu'il ait tout. Ce qu'il faut bien là où il faut. Hop là! 1, 2, 3. Merci pour vos bienfaits, Féerique. 1, 2, 3. Merci pour vos bienfaits. C'est si bien. 1, 2, 3. 3 petits coups de baguette magique. 1, 2, 3. Et voilà qui est fait. Merci pour votre visite. Merci pour vos bienfaits. Merci pour
votre visite. Merci pour vos bienfaits. Caca, c'est la fée Rara, Bobo, c'est la fée Carabosse. Oui, c'est elle, c'est Carabosse, la fée redoutée, la féroce Carabosse, notre maîtresse, qui vient ici exprimer son coup. Carabosse n'est pas content du tout. Oui, c'est elle, c'est Carabosse, la fée redoutée, la féroce Carabosse, votre maîtresse, qui vient ici exprimer son coup. Écoutons la fée Carabosse. La vengeance est un plat qui se mange froid. Il ne fallait pas, petit roi, m'écarter le jour de tes noces. On n'écarte pas Carabosse. Déjà la reine a payé pour ça, et ça n'est pas fini, crois-moi. Après la reine, ce sera le tour du petit fruit de votre amour. Avant 20 ans d'ici, avant 20 ans d'ici, ton petit prince Henri, le petit prince Henri, mourra empoisonné, hey, telle est sa destinée, hey, fallait pas déconner, quelle calamité, oui, avant 20 ans d'ici, avant 20 ans d'ici, le petit prince Henri, le petit prince Henri, mourra empoisonné, hey, telle est sa destinée, hey, fallait pas, faut contrer la fée Carabosse. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais ne craignez rien, nous sommes là. Conjurez le sort atroce, jeté par la fée Carabosse. Quand Carabosse l'empoisonnera, le prince Henri ne mourra pas. Le prince Henri, au lieu de mourir, ne fera rien que s'endormir. Le joli prince Henri, le joli prince Henri, restera endormi, endormi jusqu'au jour, oui, où un baiser d'amour, oui, le rendra à la cour. Un baiser d'amour, oui, le joli prince Henri, le joli prince Henri, restera endormi, endormi jusqu'au jour, oui, où un baiser d'amour, oui, le rendra. Ah, c'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on verra. Écoutons la fée Carabosse. La vengeance est un plat qui se mange froid. Vous croyez-vous plus forte que moi? Je vous priverai de ce gosse, ou je ne m'appelle plus Carabosse. Mourir, dormir, pour moi c'est pareil, si personne jamais le réveille. Votre prince dormira pour toujours, il n'a pas ce baiser d'amour. Et il ne l'aura pas! Et il ne l'aura car pas! Quand il s'endormira, il deviendra chillé, ouais, que plus personne jamais, ouais, ne voudra le baiser! Quelle calamité! Oui, quand il s'endormira, votre prince deviendra, si repoussant s'il est, ouais, que plus personne jamais, ouais, ne voudra! Plus personne ne voudra! Plus jamais le baiser! Il faut faire quelque chose pour conjurer le sort jeté par la fée Carabosse.
bosse. Mais qu'est-ce que l'on peut faire? Oui, qu'est-ce que l'on peut faire? Y a pas grand-chose à faire. Non, pas grand-chose à faire. On cherche vite, on cherche vite, on cherche en vain. L'idée, vite, l'idée, vite, mais rien ne vient. Vous trouvez quelque chose, vous trouvez quelque chose. Trouvez le sujet à la carapace. Vous trouvez quelque chose, vous trouvez quelque chose. Cherchez, vous ne pouvez plus rien faire contre moi. Hélas, mon vite carabosse, qui a caché notre frère. Laissera sa place ici, ce gentil petit gosse. La chérie vient d'avoir une idée de génie, rien de moins que de kidnapper le fils de notre roi. Caché pendant 20 ans le petit prince Henri, c'est vraiment du génie ou alors on ne s'y connaît pas. Pour faire échec à la Gorgone, nous cachons donc le prince Henri, de telle sorte que personne ne te soupçonne, pas même lui. C'est tout simplement du délire. On prend le prince et on se tire. On prend le prince et on se tire. On prend le prince et on se tire. Oh, 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 bonne fée, il ne me reste que ce fils que m'a laissé la reine après sa mort précoce. Protégez-le pour que jamais ne s'accomplisse l'abominable sang jeté par la fée Carabosse. Sire, nous vous promettons de sauver votre enfant du sang jeté par la méchante Carabosse. Nous avons déjà notre plan et dans 20 ans, vous verrez, la fée Carabosse sera enfin dans l'os. Cela n'est que faribole, est-ce prudent, oh, très noble roi, de faire confiance à ces trois folles, oui, tout autant, vous fier à moi. Fou, je n'ai pas envie de rire. À vos ordres, ô triste sire. À vos ordres, ô triste sire. À vos ordres, ô triste sire. Oh, par la méchante Carabosse. Elles ont leur plan, vous verrez dans 20 ans d'ici. L'épouvantable Carabosse l'aura enfin dans l'os. Oui, Carabosse l'aura dans l'os. Oui, Carabosse l'aura dans l'os. Oui, Carabosse l'aura dans l'os. Ça passe.
et les quatre heures, les angoisses. Dans de lait et douleur, tout s'efface. Est en fête, car aujourd'hui précisément, le prétendu prince peut-être passera le cap des 20 ans. Quoi qu'il en soit, nous on s'embrasse ce soir quand sonnera minuit. Nous, avec le vrai prince Henri, ferons la nique à Carabosse. On n'a pas tous les jours 20 ans. Ça nous arrive une fois seulement, c'est le jour le plus beau de la vie, alors on peut faire des folies. Pour vous dire le fond de ma pensée, j'ai hâte que ce jour soit passé. Ça nous arrive une fois seulement, on n'a pas tous les jours 20 ans. Avoir 20 ans, la belle affaire, quand on vit au fond des forêts, sans connaître ni père ni mère, sans autres amis que des jouets. À quoi bon vouloir faire la fête, m'amuser avec qui, comment? Je n'ai vu personne en 20 ans, et personne n'a vu Henriette. Quand tu auras passé 20 ans, tu pourras, on t'en fait serment, aller où tu auras envie, voir des gens vivre une autre vie. Dès que minuit aura sonné, tu vas être bien étonné. Une grande surprise t'attend quand tu auras passé 20 ans. Quand tu auras passé 20 ans, tu pourras, on t'en fait serment, aller où tu auras envie. En attendant, je vais au lit, je retourne me recoucher. Le temps que mes 20 ans soient passés, ne me réveillez pas avant. Je joue la belle au bois dormant. Ne la réveillons pas avant que ne soient passés ses 20 ans. Chut.
mais la forêt sans dessus dessous. Et qui sait qui est partout, et qui sait tout. Oui, c'est bien nous, les feux follets, les farfadets, les petites pestes, les gays lutins, pinots, sylvestres. Et qui sait qui dans les buissons donne rendez-vous à tous les gentils garçons pour faire joujou. C'est pas les fées d'un gros coincé, c'est bien nous, les petites pestes. Facétieux et plein d'astuces, c'est nous les glus. Je pédale et quand dans une clairière, je m'arrête pour satisfaire un besoin naturel. Une vision d'enfer me saute au pruneau, au prunel. En cherchant les trois fées, j'ai failli me faire bouffer. Je m'apprêtais à faire pipi, comme mon papa me l'a appris. Tout debout, tout debout, contre une souche, quand je vois des dents dans une bouche. En arrière, je fais un bond, vite je referme mon caleçon, par peur des grosses queues culottes, je fais pipi dans ma culotte. Et me voici tout mouillé. Et j'ai toujours pas trouvé la maison des fées. À notre avis, Seigneur, vous n'en êtes pas loin. Vous m'avez fait peur. Allons, ne craignez rien, que nous vaut le plaisir de votre venue, Messie. Qui m'envoie pour que vous lui fassiez un gros gâteau avec des bougies pour les 20 ans du prince Henri. Portez le gâteau ce soir au château avant minuit pour les 20 ans du petit prince Henri. Seigneur, allez dire à votre grand roi que les trois fées viendront toutes les trois avec le gâteau cuit pour les 20 ans du petit prince Henri. Au nom du père, si, et au nom du fils, je vous dis mère, si, pour la tapisserie. La tapisserie, la pâtisserie, si mère encore mère, si tout plein de lait, de bouc et de brebis, 40 frais d'autruche et de perdrix, du sel de céleri pour les 20 ans du petit prince Henri, un peu de de perles, un pimpin, deux ou trois clous de girofle très fin et du remonte-kiki pour les bains tendus du petit prince Henri. Chic, le maillot. Que fais-tu au cœur de la forêt des fées? Je suis en mimi, mission commandée.
par le roi pour la nane, anniversaire du prince Henri. Oui, le roi fait faire aux fées un cadeau aujourd'hui. L'aventure part à nous raconter des boniments. L'aventure part à nous bourrer le mou gentiment. L'aventure part à mentir ou on change en crapaud. Non, je ne mens pas, et la preuve, la voilà, c'est la papade du gâteau. D'accord, mon trésor, tu peux retourner au château. Mais un bon conseil, ne descends pas de ton vélo. Tu sais, mon mignon, ce que tu risques à t'aventurer. Seul sans protection, au fond de la forêt des fées. T'aventures pas à mettre en chemin le pied à terre. T'aventures pas sous les pins ou bien dans les fougères. T'aventures pas à rouler là où c'est défendu. Si tu t'en vas hors des sentiers battus, mon mignon, prends garde à toi. Parce que les fleurs, ça est périssable. Et le champignon, c'est tellement bon, une fois qu'on a gratté le sable, qui s'accroche à son petit pied rond. J'ai apporté un champignon pendant qu'elle bave devant le feuilleton. Moi, j'améliore la recette du gâteau qui fera du prince la plus monstrueuse des bêtes et l'endormira pour de bon pendant qu'elle bave devant le feuilleton. J'ai apporté un champignon, un de ceux qu'on nomme amanite. Phalloïde, c'est un nom savant pour dire que ça ressemble à une vite. C'est bientôt la fin du feuilleton. Le mal est fait, c'est bon, partons. Où sont passées toutes les bougies qu'on avait rangées sur la table? Ont disparu, ça c'est inouï. Mais chérie, c'est épouvantable. Qui a bien pu prendre les bougies? Qui en a même plus dans le placard? Sûr que quelqu'un s'en est servi, peut-être pour lire tard le soir. Rien n'empêche d'imaginer qu'elles ont servi à d'autres usages. C'est certain car pour l'éclairage, nous avons l'électricité. Nous sont passés les bougies qu'on avait rangées dans le camion. Ont disparu, ça s'est inouï, mais qui s'est capété les plombs? Qui a bien pu prendre les bougies? Elles étaient encore là hier. Sauf que quelqu'un s'en est servi. C'est bon d'avoir de la lumière. Vous vous demandez qui nous sommes? Oui, mais s'il vous plaît, soyez bref. Nous sommes des agents de l'EDF. Les hommes qui électrisent les hommes.
Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Vos cris m'empêchent de dormir. On ne retrouve plus les bougies. Quelqu'un vient dû s'en servir. Ne serait-ce pas toi, ma petite Henriette, qui les aurait prises par hasard? Et pourquoi faire? Pour faire la fête. On voit là des idées bizarres. Ou pour lire le soir dans ton lit, à la lueur de la chandelle. Ça abîmerait mes prunelles. Et vous me l'avez interdit. Quoi qu'il en soit de ce mystère, il faut retrouver les 20 bougies pour le gâteau d'anniversaire de ce prétendu prince Henri. Et manque de chance, on est dimanche, tous les magasins sont fermés. Ces 20 bougies de cire blanche, va-t-on pouvoir les trouver? Après tout, rien ne nous empêche d'aller demander aux bonnes sœurs, au curé et même au coiffeur. Il doit au moins avoir des mèches. À l'église, moi au couvent, moi chez le coiffeur faire un tour. C'est sa bougie. Oui, mais avant, mettons notre gâteau au four. Sont passées toutes les bougies que j'avais rangées dans le placard. Ont disparu, ça s'est inouï. Je dirais même que c'est bizarre. Qui a bien pu prendre les bougies dans le placard de la cuisine? Ce que quelqu'un s'en est servi pour écrire à ma colombine. Sans bougie, moi je suis perdu. J'ai l'air de quoi au clair de la lune? Je ne peux rien faire avec ma plume. À part de la mettre où je pense. Passé le prince Henri, que je dois pas quitter d'une semelle. Passé par là ou par ici, le prince Henri s'est fait la belle. Je l'avais mis hier soir au lit avec sa dose de somnifère. Mais ce matin, pas vu, pas pris, le prince Henri s'est fait la paire. Partout dans la forêt, je fouille pour retrouver le prince Henri. Si je le trouve pas avant minuit, le roi va me couper les quoi. De la maison et surtout tu ne verras personne. C'est ma fête, je fais ce qui me plaît, ce qui me plaît, tout ce qui me plaît. J'ai décidé enfin de m'amuser. Il fait ce qui lui plaît, ce qui lui plaît, tout ce qui lui plaît. Il a décidé enfin de s'amuser. Je vais avoir mes 20 ans aujourd'hui et je veux en profiter. Je veux bien avant minuit goûter à la liberté. C'est ma fête, j'y fais ce qui lui plaît, ce qui lui plaît, tout ce qui lui plaît. L'a décidé enfin de s'amuser. Dès ce matin, j'ai faussé compagnie à tous mes gardes du corps. Sans rire, c'est la première fois de ma vie que je suis tout seul dehors. C'est ma fête, j'y fais ce qui lui plaît, ce qui lui plaît, tout ce qui lui plaît. J'ai décidé enfin de s'amuser. Mais qui est donc, qui est donc ce charmant garçon? Je voudrais le savoir, trouvez-moi ça avant ce soir. Cet inconnu
semble vous fasciner. Faut-il de longs vous rappelle le sort réservé aux fées amoureuses d'un mortel. Tu m'embêtes, je fais ce qui me plaît, ce qui me plaît, tout ce qui me plaît. Sans discussion, suivez-moi ce garçon. C'est sa fête, il fait ce qui lui plaît, ce qui lui plaît, tout ce qui lui plaît. J'ai décidé enfin de s'amuser. Nana, Nana, allez pas plus loin. C'est plein de pipi, de pièges dans tous les coins. Je pédale, mais j'en suis pas, non j'en suis pas sorti. Car plus je pédale et plus mon vélo rétrécit. Quel cauchemar! Qu'a-t-il dit? A-t-il vu le prince Henri? Ah, ma majesté, en me rendant chez les fées, sur mon bébé, mon vélo, pour commander le gâteau. J'ai eu la peur de ma vie, quand j'ai voulu faire pipi. À vrai dire, j'ai bien failli me faire bouffer le cou. J'suis pas là pour entendre tes parties de touche pipi. Réponds quand on te demande, as-tu vu le prince Henri? Ma majesté, pourquoi l'aurais-je vu? Pendant que tu courais les bois, Henri a disparu. Disparu, ça c'est trop. Qu'est-ce qu'on va faire du gâteau? Le beau gâteau, qu'en vérité, qu'en vélo, au péril de mon vie, j'ai commandé aujourd'hui. Que va-t-on faire du gâteau si Henri ne revient pas? Si Henri ne revient plus, tu pourras te le mettre au... Arrêtez. Je l'ai cherché partout, sur la terre et sur l'onde, parcourant les forêts, appelant de ma voix, scrutant le moindre trou et les gorges profondes. J'ai joué de mon corps le soir au fond des bois. Je l'ai cherché partout, derrière chaque buisson, dérangeant au passage des hordes de garçons, croyant le reconnaître au fin fond d'un fourré. Je l'ai cherché partout, mais ne l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché partout, sur la terre et sur l'onde, parcourant les forêts, appelant de sa voix, scrutant le moindre trou et les gorges profondes. J'ai déjà joué de son corps le soir au fond des bois. Je la cherchais pas derrière chaque buisson, dérangeant au passage des hordes de garçons, croyant le reconnaître au fin fond d'un fourré. Oh, je l'ai cherché partout, mais ne l'avais pas trouvé. N'as-tu pas vu au bois que fréquentent les fées, couchés sous les bruyères, quelques monstres endormis, puisque du prince Henri telle est la destinée. Est-il déjà au bois dormant? Et on l'est dit.
Rassurez-vous, Seigneur, je n'ai rien vu de tel. Ni monstre au bois dormant, et encore moins de belle. Je n'ai vu que des bougres au regard ralangui. Couchés dans les fourrés, j'ai vu des invertis. Mais hélas, point de prince Henri. Comme je l'imagine, est trop content pour imaginer ce qu'il attend. Comme je l'imagine, seul dans les bois, Henri s'imagine que le loup n'y est pas. Comme je l'imagine, la carabosse guette au coin du bois le malheureux gosse. Comme je l'imagine, le pauvre fou va tomber tout droit dans la gueule du loup. Où est-il ? Peut-être vers le nord. Que fait-il ? Il ne faut pas qu'il dorme. Allez le chercher vers le nord, allez le chercher vers le sud. Mais délivrez-moi de cette incertitude. Comme je l'imagine, le pauvre enfant va devenir bête au bois dormant. Et comme je l'imagine, il pourrait même dormir à jamais si personne ne l'aime. Petit roi, que fais-tu donc, Kitty ? Mais dis-moi, comment va ton cher fils ? Il ne sort jamais du château, on ne vous voit jamais ensemble. Je ne sais même pas à quoi Henri ressemble. Comme je l'imagine, il doit être grand. Comme je l'imagine, il a tous ses dents. Comme je l'imagine, il est puceau. Comme je l'imagine, il aime les gâteaux. Comme je l'imagine, tout comme sa mère, Henri doit avoir un sale caractère. Comme je l'imagine, il pourrait même avoir avec les femmes quelques problèmes. Où est-il ? Tant qu'il ne l'a pas vu. Que fait-il ? Rien n'est encore perdu. Il ne sort jamais du château et il ne mange rien que du bio. Aucun étranger n'a le droit de l'approcher. Imagine le sauver comme ça, là en plein dans l'œil tu te mets le doigt. Imagine plutôt qu'avant minuit, Henri sera à jamais endormi. Oui je l'imagine mais vous oubliez qu'il est protégé par les trois bonnes fées. Et comme je l'imagine, elle pourrait même lui avoir trouvé une femme qu'il aime. Ah! Peur ? Non, mais mes tantes m'ont interdit de parler aux inconnus. Excusez-moi, est-ce que je pourrais goûter de ce gâteau qui sent si bon ? Sûrement non.
C'est un gâteau d'anniversaire spécial pour le prince Henri. Eh bien, je peux y goûter puisque je suis le prince Henri. Vous êtes le prince Henri? Bien sûr. Et vous? Et qui êtes-vous? Je m'appelle Henriette. Je suis la nièce des trois bonnes fées de la forêt. Alors, vous serez ce soir à mon anniversaire? Non, hélas. Car mes tantes m'interdisent de sortir tant que je n'aurai pas 20 ans passé. Oh, c'est pareil pour moi. Moi aussi, tout m'est défendu. Je ne peux pas, moi non plus. Aller où je veux, j'en ai plein le dos. Mais plein les bottes! Plein les bottes, moi aussi Henri. Je voudrais vivre ma vie. Oh, plein les bottes, de rester cloîtré. J'ai envie de me tirer. Vous tirer, vous tirer. Oh, oui, me tirer. Et si on se tirait? Et si on se tirait? Ouh, ouh, ouh. Oh, oui, si on se tirait? Et si on se tirait? Oh oui, si on se tirait. Et si on se tirait? Ouh, ouh, ouh. Tirons-nous? Tirons-nous? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Je voudrais bien, mais je ne peux point échapper à mon père. C'est le roi, il nous retrouvera. Même au fond. J'en ai si souvent rêvé. Que c'est bête, être fils de roi. Ça n'a pas été mon côté. C'est trop bête, on pourra jamais se tirer. Non, jamais se tirer. Non, jamais se tirer. Ouh, ouh, ouh. Oh non, jamais se tirer. Non, jamais se tirer. Ouh, ouh, ouh. Oh non, jamais se tirer. Non, jamais se tirer. Même si on a envie, on a envie. Non, jamais se tirer. Non, jamais se tirer. Ouh, ouh, ouh. Oh non, jamais se tirer. Non, jamais se tirer. Ouh, ouh, ouh. Oh non, jamais se tirer. Non, jamais se tirer. Ouh, ouh, ouh. Même si on a envie, on a envie. Non, jamais se tirer. Non, jamais se tirer. Ouh, ouh, ouh. Oh non, jamais se tirer. Non, jamais se tirer. Ouh, ouh, ouh. Oh non, jamais se tirer. Non, jamais se tirer. Ouh, ouh, ouh. Même si on a envie, on a envie. Aussi mes tantes, elles ne doivent pas vous voir. Moi quand je pourrai vous revoir. Partez vite, il ne faut pas, Henriette. J'espère que vous serez là ce soir à ma fête. Nous avons trouvé les bougies, victoire. Il n'y a plus qu'à surlire dans son lit de soir. Tu entends ce qu'on te dit, Henriette? Je ne me sers pas de bougies, je vous le répète, Henriette. Nous sommes déjà en retard. Ce gâteau me paraît très réussi. Pour pas toucher avant ce soir, ne reste plus qu'à planter les 20 bougies. J'ai dit pas touche, ah non pas touche. On pourrait quand même en goûter quelques miettes. Miettes. Je ne pourrais pas goûter le gâteau ce soir. Sauf si vous m'emmenez au château ce soir. Cela est hors de question. Enfin, tu ne quittes pas la maison, pas avant demain. Demain, 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 toujours demain. Pourquoi demain, pourquoi pas ce soir? Demain, demain, attendre encore demain.
quand ce soir je pourrai le revoir. Ce soir c'est mon anniversaire, vous pourriez au moins faire exception pour ce soir. Attends demain, tout ira mieux demain. Pas ce soir. Tout ira mieux demain. Demain. Il faut attendre demain, demain. Attendre. Il faut attendre demain, demain. Quand ce soir, j'irai.